Pilote automatique, ça va servir à remplacer Yann à la barre, ça va remplacer le barreur pendant ses phases de repos et pendant ses phases de réglage du bateau. On a un moteur ici avec des pignons, une chaîne qui est reliée directement à la barre, donc ça va remplacer vraiment le barreur au même endroit, c'est-à-dire que ça va venir actionner la barre d'un côté et de l'autre. Et tout ça, c'est géré par une commande de pilote. On peut régler sous différents modes. Soit en mode compas, on lui indique un cap à suivre, par exemple cap au sud, au 180, et lui il va suivre ce cap-là. Ou alors on a aussi un mode vent, donc là c'est par rapport à un angle de vent réel, on lui dit de le tenir, c'est-à-dire que si le vent il va bouger un petit peu de 20 degrés sur la gauche, le bateau va aller 20 degrés vers la gauche, il va garder le même écart de vent tout le temps. Entièrement possible de faire virer ou empanner un bateau. Donc il y a des modes qui sont prévus à cet effet, qui va reprendre exactement l'opposé, comme un miroir. Dès qu'on va actionner la touche virement ou empannage, le bateau va faire sa manœuvre et va se retrouver sur l'autre bord, exactement au même écart de vent. Après, souvent, quand Yann il va faire son virement ou son empannage avec le pilote automatique, c'est parce que pendant les phases de virement ou d'empannage, il a beaucoup de choses à gérer sur les voiles. Il va devoir choquer la GV, etc. Gérer la voile d'avant pour la faire passer de l'autre côté. En fait, le pilote automatique, il a besoin de plusieurs choses pour fonctionner. Il a besoin donc des indications de vent, donc qui sont collectées tout en tête de main, avec différents capteurs. Ensuite, de l'information vitesse du bateau et du cap du bateau. Donc, c'est, en gros, ces trois capteurs vont venir dans une centrale de calcul qui se trouve au niveau de la table à cartes. Là, il y a une petite moulinette qui va permettre de calculer toutes les données dont on a besoin et qu'on va rebalancer sur un bus de données qui va être capté par l'intelligence du pilote.